Amis du jour, bonjour et bienvenue sur la No More TV. C'est Sparta aux commandes pour vous commenter un tout nouvel épisode de Mad Max. On s'était arrêté à la forteresse avec le côté archange. Donc, le côté archange, c'était quoi? Parce qu'on l'avait pas trop développé à la fin de la vidéo. Il faut faire des choix à un moment, il faut savoir s'arrêter. Le mode archange, c'est donc la voiture bien améliorée. On avait vu qu'elle était déjà, on va dire, prête à être super bien améliorée et évoluée. Le truc, c'est que il nous manquait quelques petites parties, entre autres la nouvelle carrosserie pour la future Titine. Donc, on avait débloqué les fameuses montgolfières qui sont les points de déplacement rapide. Donc déjà, on va plus trop être embêté par ça. On va aller voir ce que le petit boss là veut nous dire. Et on va se mettre en route avec au programme, bon, peut-être soit la petite mission qui nous propose essayer d'aller chercher peut-être la carrosserie Titine. Et on l'avait annoncé à la fin de l'épisode précédent. Mais on a vu sur la map, sur la première map, qu'il y avait le camp du Caïd avec difficulté de tête de mort, même pas peur. Et ça avait l'air bien tentant parce qu'on l'avait pas fait sur la première map. Et franchement, passer cette première petite map sans avoir fait le camp du Caïd, moi je dis c'est pas possible. Moi je sais pas vous, il faut aller péter du Warboy, moi j'en peux plus. Donc on lui parle et puis après on se met en route pour tout ça. Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. De nombreux projets sont disponibles, donc dans les forteresses, approchez-vous d'un des projets pour connaître les conditions nécessaires et les récompenses. D'accord. Ok, donc là je vois un joli petit truc. Éclaireur, former une équipe qui marquera sur la carte l'emplacement de toutes les décharges sur le territoire de la forteresse. Élément requis 3. D'accord. Ok, ah ouais, donc à chaque fois, et ça donne les emplacements formés qui ferraillent. Ok, d'accord. Quand vous ne jouez pas, requiert une connexion en ligne, d'accord. Ah ouais, d'accord, il y a... Ah oui. Vraiment, on crée une base qui craft pendant qu'on n'est pas là, et ça continue à se développer. Construire un pour remplir la ceinture de munitions de Max gratuitement. Ah oui, ça il va falloir, parce que... On a vraiment, mais trop peu de capacité. 3 balles, mais 3 balles c'est à se pendre, hein. Ah mais il y a vachement de trucs. Puits de pétrole, construisez une grosse unité de stockage. Excusez-moi, je vais un peu vite. De pétrole pour faire le plein de la Magnum Opus gratuitement. Plein de trucs super sympas en fait à faire. Construisez un élevage d'asticots pour restaurer la santé de Max gratuitement. Eh, c'est connu, c'est plein de fibres. Réserve d'eau, construisez une grosse unité de réserve d'eau pour remplir la cour de Max gratuitement. D'accord. Oui, mais ça reste pas moins un psychopathe. En même temps, j'en suis un peu. Former une équipe qui récupérera pour Max la ferraille de tous les véhicules détruits sur le territoire de la forteresse. Ah, oh, c'est génial ça. Ah, oh, c'est génial. Bon, en gros, vous le comprenez, au début, on a l'impression qu'on se balade quand même dans du désert, il n'y a rien, on parcourt de grandes étendues et on se demande ce qu'on va glander. En fait, c'est truffé, c'est ça que je trouve génial, c'est truffé de quêtes secondaires, c'est truffé de petites choses à aller chercher, à découvrir, et ça rend le jeu vraiment ce côté très bac à sable. Il y a une histoire principale, il y a une ambiance, il y a un environnement, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, et en plus de ça, si vous voulez continuer à vous immerger dedans, il y a une multitude de quêtes secondaires. Bon, moi je vous l'annonce, on fera plutôt de l'histoire principale. You think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah, burnt to a crisp. No food for somebody. Oui, alors le Dink il dit bon. Ce qu'on va aller faire, parce que c'était promis dans cet épisode. He's a killer. I see it. Parce que comme vous l'avez peut-être vu, il y a eu un petit problème avec une des sauvegardes. Donc, ce qui avait été fait dans l'épisode précédent, je le referai en offline. Et là, je tiens à vous présenter
le petit camp de Caïd, parce que c'est annoncé, donc ça sera fait. On va aller à la décharge, là. Parce que ça m'intéresse de juste voir la nouvelle map, à quoi elle ressemble. Et je crois qu'il y a 2-3 petites choses à récupérer, vu que c'est pas loin, on va le faire. Et après, on va aller s'occuper. Ah, j'aurais pensé que je l'aurais fait péter. Parce qu'en terre est fragile, bon, ok, c'est pas grave, on s'en fout. Et après, on va aller se faire ce camp de Caïd, parce que j'ai envie de péter du Warboy. Parce que le Warboy, ça craque sous le poing. Et c'est ça qu'on veut entendre. Alors, les épouvantails et tout ça, je les ferai plus tard. Vous, vous en avez rien à foutre de voir des poteaux qui flambent foutus à terre. Moi aussi, sur le fond. Et ça, je m'en occuperai peut-être plus tard offline. Oh, la... Là, toi, je peux pas résister. Wouhou! Alors, les mecs, la bagnole, elle est loin, là. Ah, strike! J'ai renversé les quilles. I'll safeguard her while you... Oh, putain. Oh, ils vont me percuter. Eh ben non. Aïe. Non, ils me prennent pas en chasse. Putain, ça a failli piquer, ça. J'ai dépassé le 10 points. Olé. Eh hey. Totale maîtrise. Excusez-moi, j'étais en train de regarder le trajet et j'avais trouvé la carrosserie. Mais c'est là qu'il faut aller. Et pas mal la vie. En fait, je voyais un point éclairé, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce point? Bon, ça, je continuais, mais en fait, c'est l'objectif, trouver la carrosserie. Ah. Oh, je vais pas me les faire au harpon. Ah, en plus, un peu comme ça au crépuscule, c'est super bon. Allez, le petit coup de genou. Hop, on enchaîne. Non, c'est moi qui colle les premiers coups. Ah, ce côté petit combat un peu brutal, un peu sauvage, moi je vais vous dire, j'arrive pas à m'enlacer. Oh, jolie carrosserie titine renforcée. Moi, je peux pas m'en lasser. C'est un vrai plaisir. Vous pouvez pas imaginer, parce que sincèrement, à voir, c'est une chose, mais il y a une sorte de ressenti quand vous frappez vraiment ce côté lourd, ce côté brutal qui est jouissif. Parce que comme vous savez, quand vous jouez à un Batman Arkham City, il y a ce côté très rapide, très dynamique qu'a Batman avec ses gadgets ou autre. Là, c'est vraiment le côté force brute, le côté vraiment badass. Et ça, putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Bonjour. Oui, qui es-tu? Tu as une belle coupe. Around here, there's only one lad brawny enough to take for serious. Stump Grinder. Nasty doggy. Now I know for a flaming fact that he just hates intéressant. Flames and fire. Be a good way to deal him some suffering. Dis-moi, t'es pas une fan de Rihanna, toi? Parce que... Il y a de l'inspiration dans la coupe. Info supplémentaire permet très bien défendu entrée secrète sous la structure zone de butin sous l'arène du Caïd. Ok. On va pas le faire de suite parce que si je comprends bien ça c'est un autre camp de Caïd mais on va essayer de les faire dans l'ordre parce que si on se disperse ça va être juste porte Nawak. Donc ce que l'on va se faire... Ah ben en fait je peux même faire un déplacement rapide, on l'a récupéré la carrosserie là, on a tout. Attendez, je vérifie, parce que là, pour ça, je peux être un vrai boulet. Hop là, il y a tout de ramassé, normalement, ici. Je sens que j'ai oublié un truc. Non? Non, ça n'a pas l'air, parce que là, au-dessus, il y avait un petit quelque chose à ramasser. Et là, à l'étage, il y avait un truc. Ah, ouais, à l'étage, il y avait... Ah, un truc pour les projets. Ferrailleur, cet élément de projet peut être utilisé pour construire le projet ferrailleur dans la forteresse. Bah parfait.
Oh, mais c'est nickel, ça. Super. Allez, tiens, merguez party. Faites péter la saucisse. Ouais, je... Oh, c'était très beau, ça. Magnifique roulade. Bon, alors... on manque de ferraille, la ferraille, c'est la vie. Allez, on fait un petit TP rapide vers le camp du Caïd. Et moi, je vous propose, punaise, on va aller tabasser du Warboy. Pourquoi il est sorti de la bagnole? Je quitte pas ma caisse. Alors, en avant pour le camp du Caïd de la première zone. Oh! Un cracheur de plomb. Ouais. Ça c'est fait. Ah, je vais pas m'arrêter là, il y a plein de points, mais et je commence à m'arrêter un peu partout. Alors on dirait une grosse structure pétrolière. Voilà, voilà. Bon, en fait, j'étais en train de regarder à la droite de l'écran. Justement, la structure qui est là en face, on dirait une structure pétrolière. Je sais pas si c'est ça. Là. Non, ça va pas être ça. Si, c'est peut-être ça en fait. Pourtant, ça ressemble pas à une forteresse ou un camp, c'est bizarre. Bon, allez, attendez, on y passe juste à côté. Voilà, on fait simple et efficace. J'ai pas envie de batailler. C'est où alors? Ah non, mais c'est la voiture. Non, attendez, je suis en... Attendez, regardons deux secondes la map. On zone. Ah oui, c'est là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais, ah, mais oui, mais c'est ça que je veux. Pourquoi j'ai pingé l'autre? Eh, il me semblait bien que c'était ça. Et donc je suis sur la bonne voie. Ouais, mais c'est ça. Ouh, il y a du sniper là-bas. C'est quoi ça? Ah, mais c'est du pétrole. Oh putain, j'espère qu'il n'y a pas de truc incendiaire. Ouh. Ah, c'est pas très propre. Faut bouger avant de se prendre une explosion. Ok. Ça tire encore. Ah oui, il y en a là. Toi, tu dégages. Allez, on enchaîne, on enchaîne. On est chaud, on est bon là. Pour une fois, on s'arrête de faire trois conneries à la seconde. Ok. Ok, par contre... D'accord, d'accord. Ok, il y a un autre passage. Ah, il y a un passage. Gauche ou droite? On va quand même regarder. Oh, tiens. Ok. Allez. Oh, la parade avait été lancée. C'est pas du jeu. Oh, le petit coup de pied dans le dos. Allez, en mode fureur. Là, on est parti. On est bon. On est violent. C'est moi qui colle des savates, c'est pas toi. Allez, on t'écrase la nuque, on est bien, on colle un coup de savate. Et on enchaîne. Oh, la manchette. Un coup de surin, c'est toujours pratique.
On est bien là. Ah ben voilà, une entrée en matière sympa. Je savais que le camp de Kaïd, ça allait être sympa là. On est au début. On est posé. Qu'est-ce que c'est? Une tour? Une tour, il y avait un autre. Il y avait un... hop hop hop. Avant de partir là, je sais pas trop où. Il y avait une échelle. Ouais, là, voilà. Il y en avait même deux. Ils vont au même endroit, ou à peu près en tout cas. Merde, c'est des trucs en dessous? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est en dessous, d'accord. Donc il y a des trucs que j'ai pas ramassés. Une pompe. Pas une vanne, une pompe. N'importe quoi, Sparta. Ok, ça a éteint le feu à l'extérieur, c'est cool. Restriction, collision. Ouais, donc, mais j'avais pas prévu d'utiliser de voiture bélier. Mais c'est quoi cette jolie truc crénelé là? Ça veut dire quoi? Ok. C'est la voiture qui que l'on pourra utiliser peut-être plus tard. Ah ouais, on peut monter un véhicule. Bon, allez, on a autre chose à faire. Ouais, non, en fait, ça allait au même endroit. Donc, il y avait cette grande tour. Et ben, allez, on est parti. Hein. On va monter sauver la princesse Peach. Hop. Pardon. D'accord. Je viens de réaliser un truc. C'est que quand la touche doit être mal config ou config par rapport à un clavier QWERTY, c'est que quand ça écrit lâcher, le lâcher en fait c'est pas le Q, c'est le A. Ok, donc ça c'est un petit détail. En fait, souvent quand j'avais été. Oula, il m'a surpris. Faut pas gueuler comme ça. Allez, on t'enchaîne contre le mur. Voilà, fais dodo. Non, tu. Voilà, fais dodo, j'ai dit. Ah ouais, d'ailleurs quand on plante un couteau, en général il reste dans le cadavre du mec que l'on a poignardé. Donc l'attaque au surin, faut vraiment le faire sur un mec qu'on veut vraiment achever vite. Parce qu'après le couteau on l'a plus. Attendez, je vérifie ma théorie. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est le Q du QWERTY. C'est bon à savoir. Donc oui, ce qui faisait que quand il y avait un mec qui me ceinturait par derrière et qui avait écrit maintenir ou bourriner... le cube, et je le faisais, il y avait rien qui se passait, et en fait c'est tout simplement parce que évidemment ça bourrinait pas la bonne touche. Allez, ça c'est... C'est propre ces petits combats là, on sent le côté un peu sale et un peu gras là, ça me plaît. Oh, ça me plaît. Et je sens que les combos... Mais d'ailleurs, attendez, je suis en train de me dire un truc un peu boulé, parce que je suis boulé, j'aime bien me créer moi-même des contraintes. Et ben voilà, il y a des compétences, des combos qu'on peut débloquer depuis un moment. Coup d'épaule, tir au ventre, petite exécution au fusil. Ah, 150 de ferraille. Ah, c'est cher quand même. Parce que 472, ou bien en même temps, on a peut-être pas... On va attendre, d'accord, mais il y a d'autres combos. On va bientôt se les ramasser. D'accord. A priori, ça descend. Ouais. Passer là. Ça passe ça? Oh oui, ça passe. Par contre, c'est pas flagrant. Hein. Bonjour. Bah, c'était lui qui nous ceinturait la gueule. Ah ben... Non, je vais pas utiliser mon surin pour ça, non, pas pour ça. Bonjour les mecs. Allez, on vient. Allez. Oh non, toi tu me... Ah ouais, lui il est dangereux quand même. Oh, les... oh je crois qu'il a... Il a poignardé son pote. Merci le jeu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre en plein milieu d'un combat de ça? Merci. Merci le développeur. C'est pas bien grave, on t'en voudra pas, on te prendra pas par les couilles. Mais quand même, merci. Ah ouais, le mec, il esquive et tout, quoi. Putain, le mec, c'est un ninja, quoi.
Esquive, double esquive, triple esquive. Ha ha ha. Sauf qu'à un moment, vous l'attrapez, vous le chopez et vous lui faites ici le patron. C'est moi la loi, c'est moi. Oui, juge. Ah, baissez le pont-levis. Hi-ha. Donc, on avance. On avance, on avance, on avance. Ah ouais, en fait, c'est vraiment ouais, la plateforme pétrolière. Je sens qu'on va monter jusqu'en haut, quoi. On est loin d'être en haut, donc accrochez vos ceintures, sortez le popcorn, il y a encore du job. Il y a de la bouffe ici, on n'a pas besoin, mais c'est bon à savoir, au cas où. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc. Oh, emblème. Ok, bon, ça avance. Trois emblèmes. Déjà, on sera pas fanny lors du décompte des trucs à ramasser dans la zone. Alors. Oh, un aboyeur. Ah, j'aime quand il y a un aboyeur, ça veut dire qu'il y a du, il y a du people à tabasser. Allez, là on est en mode furie. Allez putain, là on va tous se les fumer. Toi, t'as osé me cogner? Alors, est-ce que ça marche? Eh ouais, ça marche. Oh, le coup de tête en arrière pour se libérer. Oh, ça c'est bon, ça c'est propre. Non, je t'ai dit, lâche-moi, connard. Lâche-moi. Tu me tabasseras plus jamais comme un malpropre maintenant que j'ai compris comment se libérer de ton emprise. Et vous, laissez-moi taper mon nouveau copain. Vous êtes chiant à m'attaquer les trois en même temps là. Ah toi c'est vrai, toi t'es le ninja là. Eh ben le ninja, on va lui en mettre plein la gueule. Et tiens, un sur un dans la gueule, ça t'apprendra à m'emmerder. Ah oh, là, on est bien quoi. En plus maintenant on a compris que le jeu nous faisait des feintes avec les mauvaises touches indiquées. Ah oh, alors le pigeon. Ah ouais. Eh ouais, tu vas mourir comme ça. Ouais, accepte ton sort. Pigeon! Coin, coin! Pan! Oh! Belle explosion! La belle rouge! J'adore! Alors, requis explosion. Donc, il y a forcément... Parce que le jeu est bien crypté. Scripté, pardon. Eh, hey, regardez, eh! Hey. C'est pas beau, ça? Hein? C'est bien fait, hein? Et j'ai même l'impression qu'il y en a un qui repop à l'infini. Au cas où que vous merdiez... Vous n'avez pas le droit à une seule chance, ils sont vraiment cool avec nous. Si vous êtes un gros boulet comme moi, vous avez le droit de réitérer. Votre tentative. J'ai cru que d'ailleurs, il y a eu un petit silence, je me suis dit. Hein, je sens que j'ai merdé mon truc. Non, c'est bon. Allez, on continue à monter, on va aller sauver la princesse. On va aller voir la gueule de la princesse, à mon avis, elle va être sympa. Ah, de la ferraille, c'est cool. Et 7 sur 7 en ferraille, on a tout ramassé en facultatif. Bien, je crois qu'il nous restait une emblème. Je l'ai pas encore vu, ou bien je l'ai raté. C'est possible aussi. Parce que moi, je vais vous dire, le facultatif dans ma tête, c'est vraiment facultatif. Hein, pour dire, ça serait pas là, ça serait la même. Hein. Ça me tombe sous les yeux, c'est tant mieux. C'est pas sous les yeux, c'est tant pis. Bon, par contre, c'est une randonnée en fait. C'est mon petit poney dans la tour de ferraille. Bon, tu vois, on va mettre. On va se prendre un peu d'eau. Hein. Ouais, on va boire un peu avant. Parce que s'il y a un boss. Pour être honnête, je pense que là on est au boss parce qu'on arrive quasiment tout en haut. Voilà, on est bien. On va re-remplir la gourde au maximum. Voilà, c'est toujours ça de prix, parce que là, à mon avis, on est au bossounet. Enfin, ou pas très loin, parce que on arrive tout en haut de la plateforme, donc à un moment ou l'autre, il va falloir qu'il sorte de sa cachette. Ah bah elle est là, la princesse. Elle est toute en latex. Oh, il y a des flammes derrière pour pas que je puisse back. Oh, t'as une grosse masse, toi. Elle est sympa. Bon. Ah ouais, badass contre badass là. Wallé. Ok, donc il charge. Vous esquivez. Wallé. Un bon shoot dans sa tronche. Oh putain. D'accord. Ok, oh putain, il faut un coup chargé.
Mais seulement quand il a été déstabilisé, quoi. Ouais, autrement ça marche pas. Ok, pattern. Ouh. Pattern assez simple. Enfin. Bah, peut-être qu'il y a plusieurs phases, on va se méfier. Oh, le double light kick enflammé. On est en mode fureur, on enchaîne. Ok. En tout cas, je pense qu'on a pas mal rentabilisé un mode fureur. Ah ouais, là il se remet. Wow. En fait, il y a un moment, il est plus déstabilisé même quand on l'enchaîne dans les coups. Quoi qu'il arrive, on peut pas le bourriner comme un tarde. On est obligé d'enchaîner les coups si on veut en mettre un maximum. On peut essayer de le pousser vers les flammes pour l'enflammer. Attention, soi-même on peut s'enflammer. Hop là. Allez, le coup chargé. Bon, assez répétitif. Alors, je sais pas, là, il a plusieurs barres de vie ou pas, avec plusieurs modes. Plusieurs phases. Pas l'impression pour l'instant. Oh oui. La fatality. Oh, la fatality. C'est bon, ça. Et encore, je suis un peu déçu, je pensais que le crâne allait exploser. Ils sont pas allés jusqu'au bout du sale. Tuer le Cade. Ah oui. Des alliés occupent désormais le camp et pourront vous fournir régulièrement de la ferraille. Ah, j'ai loupé une emblème. Oh, la tristesse. Non, en fait, je m'en tape. Hein. Mais c'est histoire de dire. Butin. Il y avait de la ferraille, en fait. Pas mal dessus. Ok, 68 de ferraille, bonus de ferraille plus 3. Capacité volonté, 3 cartouches de fusil, d'accord. Ok, bah, c'est cool. Et en fait, j'ai plein de points, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille dépenser aussi en compétences. Je sais plus comment il s'appelle. L'homme carapace, l'homme tortue, je vais l'appeler. Ce sera plus simple. Donc, c'est pas mal. On est plutôt pas mal, hein. C'était chouette ce petit camp. Bon, le boss, je vais pas dire qu'il était basique. Parce que quand vous comprenez très vite son pattern, ça, évidemment, comme beaucoup de boss, ça se passe très facilement. Par contre, quand vous le connaissez pas, ça peut vite être beaucoup plus chiant. J'hésitais là, excusez-moi, j'ai eu 2-3 secondes d'hésitation. C'était en gros, je me disais, est-ce que dans ce let's play, je fais un autre camp, une autre station? Je pense que non. On va en arrêter là. On va s'en garder un petit peu sous le pied pour d'autres épisodes. Je pense peut-être que j'en ferai en offline, parce que si je dois me lancer dans toutes les quêtes secondaires en offline, je pense que ça peut être un peu répétitif ou un peu lourd, parce que autant en jeu c'est un côté très plaisant, très vivant, très dynamique, autant peut-être à regarder pour vous, c'est pas ce qui vous intéresse, c'est l'histoire principale, et j'essaierai qu'on y reste au maximum dessus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là. Je pense qu'au prochain épisode, on va se relancer pleinement dans l'histoire principale, mais là, moi, je vois un camp avec un boss, moi, je suis désolé, le jeu nous pousse à ça, il faut qu'on y aille. Bon, en attendant, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce let's play, que vous avez pu voir, ben voilà, le premier boss de la première zone, donc le boss le plus basique qui nous attend, qui était sympa, une difficulté modeste, mais bien, une bonne petite... mise en bouche pour bien commencer le jeu. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, c'est toujours sympa. Si vous voulez encore plus nous aider, abonnez-vous. N'hésitez pas à visiter notre site de notre petite communauté, où il y a de l'actualité sur les jeux vidéo, il y a nos sorties sur nos différents let's play et compagnie. Le site, c'est www.no-more.fr avec le tiret du 6. Il y a également la page Facebook, c'est Team No More. Vous nous retrouverez comme ça très facilement et vous aurez plein d'actualités dessus. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. J'espère vous revoir pour le prochain let's play. Et en attendant, amusez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.